Pendant la cuisson des crabes, nous apercevons des vedettes passer de temps en temps sur le lac. Monsieur Wang dit qu'elle transporte des clients dans les restaurants. Aujourd'hui, chaque tamis possède une vedette. En parlant, nous trouvons que les crabes sont cuits à point. Les crabes cuits se présentent sous leur couleur jaune-orange et n'ont perdu aucune pâte.还是完整的一只，没有掉腿儿。要不然你那个腿要掉的呀。要掉的。对。这是螃蟹吃起来有什么讲究吗？像我们平常吃螃蟹就是把腿一掰，然后把壳一掀，就。我里边有两样东西不能吃的。嗯，是。一个是鳃跟一个心。嗯，它两个东西都是要寒气的。有寒气的啊，尤其是这个到了冬季的时候就不太适合吃了。 En dehors des branchies et du cœur, le reste est comestible. Monsieur Wang nous conseille de ne pas manger la tête, la poitrine, l'estomac et les intestins de crabe. Si l'on en mange par inattention, ce ne sera pas grave. D'après Monsieur Wang, la façon de manger des crabes demande beaucoup de technique. Il y a 8 outils pour en manger. Mais avec 10 doigts, on peut aussi savourer le goût délicieux du crabe. La vase au fond du lac Yangcheng est assez dure. C'est pourquoi la vase n'adhère pas au corps du crabe. Ainsi, sa chair garde-t-elle un très bon goût. 对，你看你那个肉撕出来，它一丝一丝的呀。啊，这是那个螃蟹腿的肉。对，你撕出来，它一丝一丝的，对吧？啊，真的是一丝一丝的，你看，是这样一丝一丝的。对。嗯，如果不是特别新鲜，或者养的不是这么肉这么紧的话，它可能就是比较。 软的，哎，但是如果不是那种像我们现在，它吃起来那个肉跟香肠一样的，啊，跟没有丝的。Le crabe du lac Yangcheng pèse au moins plus de 150 grammes. Son nom, Ta Jiaxie, tire son origine d'un récit. Autrefois, dans la région de Suzhou, les pêcheurs de crabes avaient installé dans le port des vannes tressées avec des lamelles de bambou. Dans la nuit, y étaient suspendues des lanternes. À la vue de la lumière, les crabes se ruaient vers là et ont rampé sur les vannes. Les pêcheurs les ont attrapés l'un après l'autre sur les vannes, d'où son nom, Ta Jiaxie. C'est quoi? 公蟹，因为它母蟹的口感其实是更像咸蛋黄一样，是那种粉粉的，一粒一粒的，而这个就完全没有那种颗粒，就是感觉到嘴里面就好像要化了一样那种。对，嗯。Aujourd'hui, le revenu annuel moyen d'un éleveur de crabe comme Monsieur Wang peut atteindre 200 000 yuan environ. Les éleveurs de crabe habitent au bord de l'eau et en profitent pour